et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu.
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange.
La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront pas le jour, car il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Thank you.
et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David,
l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas.
c'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère, « Père, je te remercie, parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés, et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ce pardon et être racheté par le sang de Jésus. Je t'accueille maintenant, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier. Car Jésus a dit, sachez qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Demandez à l'Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer dans sa connaissance. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne vont pas dans la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et maintenant, ne restez pas seul. Trouvez une église qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Soyez vigilants dans les enseignements que vous écoutez, car plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur. Vous êtes richement bénis.